Je pense que l'équipe manque encore beaucoup d'expérience. Dans les money times, surtout, on perd un peu les pédales. Et on fait des fautes qui ne sont pas nécessaires. Je pense que le premier set, on a bien géré. Par la suite, le deuxième set, on devait mieux réagir, je pense. Ça n'a pas été le cas. Et puis, on a totalement perdu le contrôle du match. Je pense qu'on a trouvé une solution. Donc voilà, on est en train de chercher l'entraînement. Chaque jour, on travaille pour que ça s'améliore. Mais c'est toujours aussi difficile. Je pense que chaque jour on devient plus fort, mais voilà, maintenant il faut le prouver sur le terrain, c'est pas encore fait, j'espère qu'on le fera vite, parce que c'est vrai que ça devient urgent, la situation commence à devenir catastrophique. Comment vous vous préparez pour le match contre Ljubljana, parce que peut-être le match plus important de cette saison? Oui, je pense que ça va être vraiment un match à préparer énormément. Je pense que à partir de maintenant, je pense qu'on va commencer déjà à se préparer mentalement les joueurs, même s'il faut oublier les matchs du championnat, c'est vrai, mais c'est vrai que ça va rester dans le coin de la tête. Et voilà, je ne sais pas vraiment dire comment ça va préparer, le coach va s'occuper de ça. J'espère qu'on sera vraiment enfin prêt pour, c'est vrai, un des matchs les plus importants de la saison. Je pense qu'on s'est bien battu et c'est juste, comme vous avez déjà dit, c'est juste sur les moments importants qu'on a laissé aller un peu et que eux, Unterhaching, ils ont bien appuyé. Et on n'a pas su les suivre et c'est ça qui leur a fait gagner le match. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ils ont été plus forts sur les moments importants. Je pense que ce soir, on a déjà fait un pas dans la bonne direction et on s'est plus battu comme une équipe. On s'est battu l'un pour l'autre et je pense qu'en championnat, on ne tombe pas tous les week-ends contre une équipe des qualités de Unterhaching. Donc je pense que là, on est parti sur un meilleur rythme et que les résultats vont s'améliorer, quoi.